Depuis la suspension en novembre dernier de Ahmad Ahmad par la commission d'éthique de la FIFA, il assure l'intérim comme président de la Confédération africaine de football, la CAF. Il a en charge, entre autres, l'organisation de l'élection en mars prochain du futur président de l'institution, mais également la CHAN, la Coupe d'Afrique des nations des joueurs évoluant dans un club de leur pays qui se tient depuis une dizaine de jours au Cameroun. Un pari risqué au moment où la pandémie de la Covid-19 semble prendre de l'ampleur dans de nombreux pays du sud du Sahara. Constant Omarie est notre invité aujourd'hui. Bonjour Constant Omarie. Bonjour Alain. Alors, comment on organise une chaîne, une compétition de cette taille-là, pendant que la pandémie prend de l'ampleur de plus en plus Est-ce qu'il ne fallait pas reporter ou tout simplement annuler D'abord, je voudrais euh, te remercier pour cette interview. Deuxièmement, remercier aussi les autorités camerounaises, le chef de l'État qui a pris euh, la décision ferme de garder. De maintenir euh, les proportions de la CAF en ce qui concerne l'organisation de cette compétition. Et c'est pour ça, d'ailleurs, vous avez observé qu'à un certain moment, on a démarré d'abord avec une, un public très réduit. C'est vrai que c'était un pari, mais euh, on n'avait pas de choix. Souvenez-vous que ça a été reporté ce chien devait être organisé depuis l'année passée. Oui. On Il y a, y a eu reporté, plusieurs glissements, plusieurs Renaud, comme on dit. Ici. Et qu'en euh, 2022, c'est la CAN qui sera organisée ici même au Cameroun. Donc, il n'y avait pas de choix. Il fait bien sûr euh, bénéficier aussi des mesures barrières mises sur pied par l'organisme de santé publique au Cameroun. Nous ne trouvons pas d'inconvénient de pouvoir l'organiser. Bien sûr que, avec l'évolution, on se rend compte que. Euh, Partout, on confine. Partout à nouveau. On, on confine. La maladie reprend voilà. de, de la vigueur. Mais selon les statistiques déjà. Mais vous depuis, le nombre de spectateurs. De, depuis le dedans. début de la compétition, on n'a pas encore euh, répertorié la compétition comme étant à la base d'une propagation massive. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est en train de réaliser des frais sur la proportionnalité d'affluence dans le stade. Mais euh, globalement, et Dieu merci, jusqu'à présent, tout se passe très bien. Est-ce que ce n'est pas une question d'argent aussi, parce que la CAF qui organise une compétition de cette taille-là a besoin des spectateurs au stade, a besoin des gens qui payent pour pouvoir vivre. Est-ce qu'elle va s'en sortir avec une chaîne sans spectateurs quasiment, ou avec le minimum de spectateurs En termes de droits d'entrée, bien sûr, ça représente un montant qui n'a pas une influence prépondérante sur les recettes. Ce sont plutôt les droits commerciaux, les droits des retransmissions qui produisent plus d'argent. Mais qu'au jour d'aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'il y aura un manque à gagner quelque part, puisque toutes les entreprises humaines ont pris des coûts. Donc sûrement qu'il y aura un coût financier, mais nous n'avons pas de choix, il faut l'accepter. Là, vous perdrez beaucoup d'argent, avec euh, une chaîne dans ces circonstances-là. Bon, pas tellement, de l'argent, mais pas tellement beaucoup. Hein, parce qu'il s'agit de, de la billetterie, qui doit être autour de 10 à 15% de recettes présumées. La chaîne se tient depuis une dizaine de jours. Est-ce que les installations au Cameroun sont prêtes aujourd'hui Comme vous le disiez tantôt, il y a eu plusieurs glissements de dates. On disait les stades pas prêts. Sont-ils prêts aujourd'hui Écoutez, je suis aise de vous dire aujourd'hui que personnellement, en tant que président intermédiaire de la CAF, je suis fier du Cameroun. Je suis fier des infrastructures que le gouvernement euh, camerounais a construites et d'autres qui ont été réhabilitées aujourd'hui. Nous sommes à Douala, allez voir le stade de la réunification. Celui qui a vu ce stade de la réunification il y a trois ans ne le reconnaîtra plus. Quand vous voyez le stade de Japoma, un super. Même à Yaoundé, l'ancien stade, les deux stades, vous constatez qu'il y a un travail de fond qui a été fait. Et je suis fier qu'un pays africain puisse disposer de ce genre d'infrastructures qui constitueront des bases aujourd'hui d'un développement pérenne de la... du de football. Est-ce qu'on peut dire que c'est certain que l'année prochaine, il y aura une canne au Cameroun Est-ce que c'est encore du domaine de on ne sait pas Non. Partant des, des éléments de la réalité d'aujourd'hui, nous pouvons confirmer que l'année prochaine, il y, aura le, le, il y aura la canne. Mais bien sûr, le seul impondérable aujourd'hui, c'est cette COVID qui continue à sévir. On ne sait pas à l'échelon d'ici euh, juin, juillet, août, septembre, si on aura la maîtrise plus ou moins euh, acceptable de cette pandémie. Mais il n'y a rien qui s'oppose en dehors de l'impondérable qui peut être la pandémie. On sait qu'il y a un grand débat en ce moment au sein de la CAF. Le président, votre prédécesseur, celui dont vous assurez l'intérim aujourd'hui, a été carrément exclu de la CAF, suspendu pour cinq ans. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'il y a eu des malversations au sein de l'institution Je suis mal placé pour parler de ce dossier-là. Je l'ai observé et je m'abstiens. J'ai un droit de réserve sur ce dossier, étant donné que... Tout ce qui a été fait, étant donné les procédures en cours aussi, je préfère ne pas répondre à cette question. Je veux bien que vous ne répondiez pas, mais les gens s'interrogent. Vous étiez assez proche d'Amad Amad. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes à sa place. Et les gens disent qu'il y a une chasse aux sorcières au sein de la CAF, menée par la FIFA. Y a-t-il un combat entre la FIFA et la CAF est-ce que c'est vrai que la FIFA veut mettre la main sur la CAF Parler de combat, c'est trop dire. Oui, mais Parler là, il de... y a des gens qui sont suspendus. Hein. Et puis, oui. la commission... Oui. De oui. La, Écoutez, la commission, tente, la commission tente de faire son travail. L'essentiel, c'est de savoir si ce travail est fait correctement et honnêtement. Alors, au moment où nous préparions cette émission, nous avons reçu un message. Un message qui nous fait... Vous posez cette question, je lis un peu ce que vous avez reçu. Faisant suite à notre courrier du 18 novembre 2020 et à votre candidature au poste de membre du conseil de la FIFA... Nous vous informons que la commission d'examen de la FIFA, lors de sa réunion du 26 janvier 2021, a décidé de vous déclarer non éligible à un tel poste. La raison de cette décision est l'enquête formelle en cours par la commission d'éthique de la FIFA. En particulier, il a été considéré que les accusations formelles sont de nature sévère. Et considérant que le poste est important, etc., etc., ça veut dire que le président de la CAF aujourd'hui peut être suspendu Vous aussi, vous êtes déjà dans... Euh, vous allez être écrasé comme euh, Ahmad Ahmad Les gens s'interrogent là-dessus. Ben, je voudrais d'abord qu'il y a deux choses. Oui. Je ne voudrais pas parler sur l'enquête en cours, qui est du domaine de l'éthique, et qui n'est pas encore conclue. Oui, mais là, c'est officiel. Là. Vous permettez, non, là, c'est la commission de gouvernance. Il y a deux commissions. La commission d'enquête d'éthique de, de la FIFA a une instruction en cours pour laquelle la dernière réponse aux questions qui m'ont été posées et leur a été envoyée le 25 janvier, donc 24 heures avant la réunion de la commission de gouvernance. Et là, on parle des allégations. Je ne, parle, je ne voudrais pas aller dans le fond de cela. Je préfère m'abstenir pour ne pas porter préjudice à l'enquête en cours. Par contre, là où j'estime anormal, et qu'on est en train de créer une nouvelle jurisprudence, je ne sais pas qui vient d'où, il est anormal qu'au moment où j'ai posé ma candidature, je moi, je vous parle, je suis président intérimaire de, de la CAF et vice-président de la FIFA. Et vice-président de, de la FIFA. La FIFA. De la FIFA. Je continue à exercer. Alors, la commission de gouvernance, sur base de suspicion. C'est ça qui est fort. Sur base de suspicion et des allégations, qui, que eux transforment déjà en une accusation, une accusation oui. sévère, ça porte à question. Deux, le dossier est encore pendant. Le dossier est pendant au niveau de la commission d'éthique. Ça signifie que je bénéficie des d'un principe universel de droit, la présomption d'innocence. Est-ce que sur base d'une soupçon, on peut arriver à une conclusion Est-ce qu'on est, qu est en train de traverser aujourd'hui la présomption d'innocence pour créer une nouvelle jurisprudence Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, il suffirait de vous, journaliste, vous écrivez que euh, M. tel euh, a été a détourné ou bien a été corrompu et que sur base de ces allégations non vérifiées et non confirmées, que vous puissiez déjà... Subir, être censuré c'est-à-dire vous êtes déjà condamné avant même le jugement. Et c'est ça, ça ma préoccupation. Oui, mais c'est quand même grave, parce que si vous êtes condamné déjà d'avance, vous ne pouvez pas être candidat à cette fonction au sein de la FIFA. Ça veut dire que même à la tête de la CAF, vous ne devriez plus être là. Bah, écoutez, la... Si l'on s'en tient à ce qui est dit là. Ça, c'est la logique rationnelle, telle que vous êtes en train de le dire, en principe, mais c'est là où ça pose la question. Là, ça, la ça veut dire que je vous accuse de quelque chose, vous perdez votre poste. C'est ça. Moi, sans, sans prouver. D'abord, sans prouver, pourquoi on vous accuse De quoi on vous accuse déjà Non, écoutez, je ne voudrais pas qu'on j'ai dit ai vu, il y a un dossier à la commission d'éthique. Je ne voudrais, par contre, c'est à la commission de gouvernance de me transmettre ce qu'ils appellent accusation sévère. Sévère, sévère. Pour que je sache à leur niveau, si ces accusations sont déjà prononcées. C'est-à-dire qu'il y a une condamnation au niveau de l'éthique, ce dont je ne suis pas au courant. Ce dont je ne suis pas au courant, pour pouvoir réagir. On ne vous a pas entendu là-dessus Au niveau de l'éthique, il y a eu des échanges, bien sûr, au niveau de l'éthique, mais pas au niveau de la gouvernance. Des dossiers pendant. Il n'est pas conclu. La dernière conclusion que j'ai envoyée, c'était le 25 janvier. Et le 26, ils estiment que ce sont des accusations sévères. Je ne pense pas. Je sais que vous avez un devoir de réserve, que vous pensez qu'il n'est pas venu le moment de commenter quand même. Mais c'est un peu curieux cette méthode de fonctionner. Quand vous dites qu'il n'y a pas de conflit entre la FIFA et la CAF, on s'interroge. Lorsque je regarde la FIFA, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a plusieurs plaintes, d'autres accusations sévères contre lui. Et pourtant, il est toujours à la tête de la FIFA. Pourtant, personne ne pense à lui dire, arrêtez, comment voulez-vous faire croire aux Africains Jusqu'à maintenant, qu'il ne s'agit pas d'une chasse aux sorcières. Alors, j'ai envie que vous me le disiez. Je, je regardais à l'instant, pendant qu'on parlait, je, mon téléphone m'a servi pour une fois pendant que je suis à l'antenne. Je vois plusieurs enquêtes contre Gianni Infantino. D'abord, la fameuse histoire du FIFA Gates, qui est toujours pendante. Ensuite, à côté de ça, il y a d'autres qui sont contre ses collaborateurs, qui ont essayé de, de voir ce que la justice avait dans, son, dans ses dossiers. Il n'est pas suspendu. Est-ce qu'il n'y a pas une chasse aux sorcières au sein de cela Est-ce que ce n'est pas la guerre CAF-FIFA dont on parle Ou la FIFA veut mettre la main sur la CAF Vous connaissez mes principes. Je suis très mal placé puisqu'au moment où nous parlons, je suis aussi membre du conseil de la FIFA. C'est ma candidature qui est sujette à caution. Mais au moment où nous parlons, je suis membre du conseil de la FIFA. Donc par devoir de réserve, je ne peux pas me prononcer sur la... Surtout quand ça concerne une personnalité comme le président de la FIFA, je ne peux pas me prononcer sur ces procédures-là. Amitié okay. ou bien parce que pour une non, fois non, vous non, vous vous de la largue de bois. Au-delà au de l'amitié, c'est par principe. Au-delà de l'amitié, c'est par principe. Et par respect aussi à l'institution qu'on appelle la FIFA, je ne peux pas prendre fait cause et me prononcer sur des dossiers qui ne me concernent pas. Vous avez à organiser des élections pour le futur président de la CAF. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas les mains liées Est-ce que vous pouvez encore dans cette situation organiser ces élections-là ben, Je pensais que je voudrais vous rassurer c'est que je suis très serein. Je passe mon temps à réfléchir pour savoir la meilleure riposte possible et la voie de recours possible, admissible et autorisée. Deuxièmement, je continue à assumer pleinement mes fonctions en tant que président de la, de la CAF, en train de gérer la compétition en cours. Le processus en interne de préparation des élections continue son cours. Je continue à les gérer. Ce n'est pas ce que j'appelle, moi, une distraction, entre guillemets, de la direction de, de, de la commission de gouvernance qui va m'empêcher de, de continuer. Et bien dans l'entretemps, je continue à poser des actes sans tant que vice-président. Mais est-ce que vous avez réagi à cette lettre qui euh, dit que vous ne pourrez pas être candidat Ce n'est pas que je ne veux pas réagir, je vais réagir, ça je vous le confirme. On ne peut pas saper l'honorabilité de quelqu'un où je me suis investi pendant des années pour euh, constituer mon honorabilité par une simple décision, entre guillemets, venant d'où, je ne sais pas. On est en train de créer une nouvelle jurisprudence. Donc à partir de maintenant, tout celui qui est présent d'une fédération ou d'une organisation internationale. Aujourd'hui, un article peut sortir de la presse. Et on prend cet article, on dit vous n'êtes plus candidat parce que cet article. Vous comprenez? La gestion est en train de quitter la rationalité vers une gestion journalistique d'éclat. Et c'est ce qui est le grand danger. Chacun une étape donnée, quelqu'un peut écrire. On va dire non, on vient d'écrire, on vient de lire. Et puis, troisième élément. L'organe qui fait le check éligibilité. Tant au niveau de la CAF qu'au niveau de la FIFA. Ces gens-là, ils vont à l'Internet, ils tapent Constant Marie, ils voient tout cela. Est-ce que c'est vrai Il y a eu vice de forme dans cette décision de la commission de gouvernance. Troisièmement, il y a un principe de droit consacré, même dans le droit du sport, la présomption d'innocence. Qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on a fait Prenons l'hypothèse où le dossier, au niveau de la commission d'éthique, arrive à la conclusion que M. Marie, vous n'êtes pas fautif. Qu'est-ce qu'on fait À ce moment-là, qu qu'est-ce que dirait la commission de gouvernance est-ce que c'était un coup fou pour empêcher seulement d'être candidat ou que ma candidature gêne Ou bien c'est quoi Donc c'est pour cela que je pense que eh, toutes proportions gardées, il faut rester froid, serein et savoir comment aborder les choses. Et qu'en face, ceux qui ont pris cette décision soient à mesure de me justifier. Tu ne peux pas être condamné avant même d'être jugé. On vous a invité parce que tout le monde sait que vous êtes très très libre dans votre parole. Qu'est-ce qui peut intéresser la FIFA au sein de la CAF On, on l'a dit pauvre, on l'a dit mal organisé. Qu'est-ce qui peut l'intéresser véritablement là-bas Ce qui doit intéresser la FIFA à l'instar de toutes les confédérations du monde, c'est l'organisation du football, le développement du football. C'est ça la quintessence même de la FIFA. Organiser, pratiquer et gérer le football mondial, en ce qui concerne les confédérations, elle délègue cela des confédérations et ensuite aux associations nationales. Donc, ce sont les associations nationales qui sont propriétaires de la FIFA. Donc, ce qui peut intéresser la FIFA aujourd'hui, c'est que... Il y a une bonne gouvernance dans la gestion du football, et du football mondial. C'est ça. Est-ce que ceux qui attaquent la CAF aujourd'hui, et notamment les dirigeants de la CAF, n'ont pas trouvé un terreau fertile Est-ce que la gestion était si transparente et propre que cela, si orthodoxe? Je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus. Je m'abstiens. Je m'abstiens de répondre à cette question pour la simple raison. J'étais premier vice-président de la FIFA de la CAF. Si erreur il y a eu, tout le comité exécutif doit assumer. S'il si y a des erreurs individuelles, chacun doit les assumer. à ce stade-ci, je préfère m'abstenir et assumer ma part de responsabilité pour le temps que j'ai passé, comme deuxième vice-président, et dans la part des responsabilités collectives. Je rappelle pour terminer que vous êtes quand même vice-président de la FIFA, hein au titre de président de la CAF. Vous êtes automatiquement. Le... automatiquement. Merci en tout cas, M. Constant-Romary. De... Ben, je voudrais vous remercier, mais j'ai un message à passer. Oui. Nous pensons que le rôle du football aujourd'hui, le rôle au sein de notre confédération, c'est de pratiquer et gérer le football, en ce compris son développement dans tous les espaces. Et que je pense aussi dans les bonnes relations qui doivent exister entre la CAF et la FIFA, on ne doit pas privilégier des humeurs personnelles des gens. On doit plutôt privilégier le, la relation qui doit être sereine. J'ai toujours appelé, depuis un certain moment, j'appelle à la sérénité relationnelle. Et que dans la sérénité relationnelle, on ne peut pas en profiter pour faire passer certaines humeurs des uns et des autres. Quand on attaque les dirigeants que nous sommes au niveau du football, ça va au-delà de nos individus, de nos personnes. Ça atteint le continent, ça atteint nos familles, ça atteint tout cela. C'est pour ça qu'il faut se couvrir toujours des précautions pour se rassurer que ce qu'on fait est juste ou n'est pas juste. Parce que les préjudices moraux qu'on cause à des gens sont incommensurables. Et si d'aventure il est démontré que toutes ces, ces allégations sont toutes mensongères, et je vous le confirme, retenez la date d'aujourd'hui, que ce sont des allégations mensongères, mensongères, et que s'il si est démontré et confirmé ce que je vous dis ici, eh bien, je pense que nous sommes partis pour euh, des grands procès. Voilà. Merci Constant Omar. Ma de vous Restez sur nos antennes.